Ben les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on est bien là. On est trop bien. Qu'est-ce que tu bois comme merde? Ben la Monster. Ah, mais c'est la drôle. Orange, c'est la meilleure. Mais non, pas du tout, c'est la rouge la meilleure. En plus, c'est zéro sucre. Bah ben justement. Tu préfères la tienne? Bah ben, largement. Mais ouais, là, bon, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour lui. Lucien a décidé d'organiser la boutique ultime. Le 17 et 18 août, dans le célèbre et énorme aérodrome de Brienne-le-Château, se déroulera un événement unique et inédit en France. Tu as bien compris, et on n'y va pas tout seul, on y va avec quoi? On y va avec ça! Twingo Jet, les gars! Ça va être un grand moment parce que Lulu, là, il a déployé les moyens de Dingo. Il va y avoir, il va avoir son char, il va y avoir des bigfoot, il va y avoir des... Tout le monde. Il attend à peu près 50 000 personnes, il nous a dit. Là, on est arrêté sur une aire de repos, il nous reste à peu près... Une heure de route. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, je préfère... Faut jouer directement là-bas. Allez, direct là-bas. C'est parti, go. Ça y est, on est arrivé. Ouais, on est arrivé. Il y a déjà du gens devant. Je pense que c'est là, regarde. Ouais, on pense. Oui. Bonjour. Oui, allez. C'est par là. On amène le barbecue après. Bon barbecue. Ouais. Le champ. Donc c'est ici où ils tournent l'émission Top Gear. Ouais. C'est perdu au milieu de la France. Bon là on y est je crois. Là on y est c'est sûr, et marqué boiserie. On m'a dit... Je crois que vraiment ils ont appelé vraiment tous les imbéciles de France. Hein tous les cons sont réunis au même endroit. C'est exactement ça. C'est incroyable. Alors on sait pas encore, il sait pas encore, mais Teddy va bosser, il va nous mettre un max écus. Moi les machins turbines comme ça là, non, ça va se faire péter la gueule ça. Regarde-moi le grand Lulu. On a le plus sérieux de la bande. Comment ça va? Ça va tranquille. T'es en forme? Ouais nickel. Ça va chier. Ouais. Mec, moi je veux voir la Twingo faire un tour de circuit entier. Mais oui, mais il faudra faire le plein pour 4 fois. Ah bah oui. Mais non. Il faudra faire le... Tu peux pas faire le plein, le tour. Je sais pas, je me tournerai pas. Génial. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il faut arrêter ce tour? C'est génial. Non, moi je suis trop prêt. Ça promet. Bon, allez. Bon, là, on décharge tout ça. Ramener chez Trex, okay. Thomas. Regarde. Tu lui demandes une voiture sans permis, trouve une voiture sans permis. Tout ça pour la brûler. Ça c'est bridé. C'est bridé à 170 sur les circuits. T'imagines, c'est bridé à 170. Donc ça te donne une idée de la puissance et de la vitesse avec laquelle ça peut aller. Jour 2. Putain, il y a encore plus de monde, c'est tu veux dire. C'est incroyable. Regarde-moi ça. C'est la marée du bain. Ouais. Bon, allez, on y est. Oui. Enfin. On va aller boire un café. Oh, oh putain. La journée n'est pas en train de commencer. Ah, ouais. Ça fait quand même une demi-heure qu'on est parti. On a fait exactement, je sais pas, 300 mètres, 400 mètres. Ouais, peut-être. On va faire un petit tour quand même de l'événement avant que tout le monde arrive, parce que comme ça on va pouvoir bien pour avoir tout. Tiens, regarde, ils sont censés être forts. Bah forcément. S'ils sont pas là, ils sont plus là. Oui. Là, tu as la boutique. Exactement, celle-ci, à mon avis, demain elle sera plus que vide. Même... De la caisse. Starfo. Il est là, notre ami Starfo, Chris. Et avec quoi il est venu? Bien entendu, avec la voiture de Pépé. Je crois qu'il a eu un problème avec sa caisse, donc du coup... Ouais, il a eu un problème avec son moteur, du coup, bah, il a pris la caisse à Pépinox, il lui a pris. Et bon, ça donne encore plus envie de voir la E1. Ah ouais, ouais, c'est un truc de dingue. Oh, regarde. Et là, t'as tous les bolides à Lulu. Wow. T'as même l'avion, Lulu, parce qu'il est venu en avion, monsieur. Toutes ces motos, regarde l'ingénieur et tout. Et ouais, c'est énorme. C'est là, t'as Chitec de l'autre côté.
Ouais, Shiftec. Avec la E46 Touring, une Alpine A110R. Ils sont tous là. C'est beau. C'est juste géant. T'as Fokker, Raptor. Ah bah Fokker, il est là, regarde. Attends, bah il est là, regarde, il est en train d'installer. Ah bah regarde, voilà, c'est la voiture qu'ils font gagner. Ils sont en train de la finir. Regarde-moi cette peinture Raptor. En fait, le résultat, regarde. En plus, c'est t'as des dégradés et tout, regarde. Ils t'ont fait un truc de dingo. Ah, c'est... Bon, là, regarde la Lamborghini. Ah, bah, elle est là. C'est beau. Hein, on dirait un tremplin, tu sais, tu mettrais une rampe dedans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je vois, quand je regarde ça, bon, je vois un tremplin roulant. C'est le GT3 RS, les dernières. Ouais, c'est vrai. Le HY à Lulu. Ouais, à Lulu, Aftra. Bah, avec... En fait, c'est un châssis de camion avec une carrosserie. Bah, carrément, c'est... Regarde, carrément, ils ont carrément greffé. Voilà. C'est tout à l'aérographe, c'est de la France. C'est super bien fait. T'as l'impression que c'est de la rouille, mais c'est pas une couleur comme ça, quoi. C'est magnifique. C'est Nico qui a fait ça. Franchement, j'aime bien. Moi. C'est lui qui fait ça aussi, regarde. Ouais. Des trucs en résine. C'est des petits escargots, mais ils sont pas très tranquilles. Hein, quand même, il y a des balles à l'intérieur. Non, c'est bon. Le mec s'est pris une balle dans la tête, écoute-moi. Mais vraiment, mais pas qu'une. Oui, il est un peu mort. Bon, là, on est sur le 5000 Milwaukee. Alors là, écoute... Voilà, t'as tous les outils. Alors, je vais pas te dire que c'est le top, parce que ça l'est vraiment, honnêtement. Donc arrière, t'as du drag, du camion de course. Et sponsorise les meilleurs. Ouais, c'est pour ça. Mais quand t'as ça, que tu dévisses avec ça, exactement. Si tu n'y arrives pas avec ça, tu n'y arrives plus. On en a une comme ça. Alors ça, c'est génial. Tu sais quoi? Tu coupes, tu lâches, pas. Le truc s'arrête, il se bloque. C'est t'évite. Tu sais que ça continue la rapide stop, tu vois. De la tondeuse, Milwaukee. Même si tu as du goudron, t'as envie de t'en... Bon, allez, on s'en va parce que t'as envie de tout acheter. Allez, c'est bon. Bon, à côté de Milwaukee... On va voir Thomas. Ouais, Thomas. Allez voir Thomas. Alors, Chatrex. Alors, bon, Thomas, voilà. Plus, maintenant. Bah, Thomas, c'est Thomas, quoi. Au niveau des Twingo, si t'as une Twingo, il te rachète toutes tes Twingo. Alors là, les BM, pareil, les BM, si t'as une BM à vendre ou quoi que ce soit, un truc que tu veux te séparer. Thomas Chatrex. T'as une Twingo ping-pong. Bah, là, la M5 de tout à l'heure. La M5 qui nous a prêté tout à l'heure, qui a fait Top Gear. Alors là, regarde, la piscine. Twingo piscine. La piscine. Bon, elle est un peu plus sale. Ah, elle est froide, hein. Ah. Il va falloir qu'elle chauffe dans la journée, quand même. Et la Twingo Harlequin. La Twingo Harlequin, mais ça, tu l'avais vu dans la vidéo du GDB, non? Oui, le GDB, il nous l'avait prêté aussi, après, tu te rappelles. Ouais. Regarde la BM à Teddy. La BM de Teddy, voilà. La regarde Teddy. La Teddy, d'ailleurs. Et ça là, plein de autres rods. Bah, c'est magnifique, quand même. Tu peux pas rester indifférent. Hein. C'est des routes. Ça fait longtemps qu'il attend. Lui. Regarde, ça, c'est juste énorme. Ah, moi, j'aime bien, je sais pas si. C'est vraiment beau. Moi, ça m'a plu. Une peinture, on dirait qu'elle est pas sèche tellement elle est profonde. Ah, c'est le vernis, ils ont dû mettre, je sais pas combien de couches. Qu'est-ce qu'on peut leur montrer? Ah, des voitures de police américaines. Paris Interceptor. Eh oui. Ouais. Avec des vrais policiers américains français. Ouais. Allez, amis exposants, pour moins de 30 minutes aura lieu l'ouverture de la foire. Continuez à vous mettre en place gentiment. Ouais, ça ouvre bientôt. Alors regarde, un monster truck. Bah, c'est Thomas qui a fourni aussi toutes les voitures qui vont broyer. Être... Voilà, c'est lui qui les a fournies. À mon avis, ce soir, ça va être très plat tout ça. C'est un diesel. Et regarde là-bas. Et là là, il l'a emmené, il l'a emmené, le tank de Lulu. Et ça, forcément, il faut qu'on t'en parle. Alors, je sais qu'il y a Nico qui a travaillé aussi. Ouais, mais il a fait là, je crois qu'il a mis des turbins, il lui a aidé à faire tout ça. Oh, c'est un bordel. Ah, oh, c'est un truc de malade. Tous les manœuvres, les trucs. Regarde-moi ça. C'est bien fini. C'est bien fini. Ah, c'est de la finition, la boiserie. J'adore. Ouais. C'est juste magnifique. Hein. Allez. Quand il y a ça chez toi, dans ton jardin, et tu peux aller te balader, je le coupe. Bon, moi je te propose qu'on attende les abonnés. Ouais, et puis on va aller se mettre en place à la Twingo Jet, on la voit, elle est là-bas. Juste un truc, j'espère que le temps il va rester bien parce que là. Ça commence à faire gris. J'aime pas bien. C'est chiant la pluie. Non, la pluie, c'est Marseille, chiant. Ouais, ben nous on connaît pas, on se mouille, ça y est, on fond. Bah c'est la douche, on sait pas. Allez. Bon, bah c'est parti. C'est parti, ils arrivent, regardez. Ça arrive, c'est. Ils arrivent de loin. Ça va être un truc de malade. Bienvenue du côté moyen de château. Déjà, il y avoir beaucoup de monde, hein. Beaucoup. Malgré la pluie. Bon, là, il y a la E30 APP du coup qui va rouler avec Chris dedans. Ça va être un grand moment. La E92 à Chatrex avec Lasco qui conduit. Ah là là. Bon, on va aller voir un petit peu ce drift là. Allez, allez, on trouve. Thank you.
t'emmène dans un camion qui s'appelle Dakar Classique. C'est 450 chevaux. 450 chevaux. Putain, ça se coupe. Et troisième de notre catégorie cette année. Voilà. Et il finit troisième au Dakar 2024. T'imagines un peu? Alors, camion, c'est le camion. Tu déclares. Entre potes. C'est énorme. Ah ouais, c'est un rêve toi le Dakar. Ah le Dakar depuis que je suis minot c'est un rêve. C'est vraiment le truc. Je te mets quelqu'un dans le camion qui a un petit peu le Dakar, enfin, ça il peut t'aider à passer les grandes dunes, à freiner au bon moment, à pas casser le camion. Voilà. La mécanique. C'est ça, parce qu'un Dakar, c'est pas de le gagner, c'est de le finir. C'est exactement ça. En tout cas, je te remercie. Ça c'est énorme. Jamais espoir. Attends, on sait pas si ça va rouler, ça tourne au ralenti pour l'instant. Ah mais si, ça va le faire. Regardez avec qui on est. Ah, il est là. On est dans la voiture de Dakar. C'est bon, on se prépare pour le show. Ouais. Bon allez. C'est bon, t'as tout testé. Là, on teste pour voir si tout va bien. Faut toujours le faire avant chaque show. Il va en rester bientôt. Ce sera que ça. Il n'y aura plus rien de la Ligier à part un souvenir. C'est un truc improbable. Ouais, regarde, regarde bien. Regarde, là tiens un Monster Truck. Là. Là tiens un bus américain. Là t'as la police américaine. Voilà. Tiens un mec qui a fait le Dakar classique. Avec un camion du Dakar. T'as une Twingo avec un moteur d'avion. Un Nino qui est assis sur une Jeep, c'est Léo. Et un gars qui est en train de dégonfler les roues. Et un hélico qui se passe avec Thomas sans permis. Et là on attend l'hélico. Allez, c'est bon, tu vas.
Bah oui. Excellent. Bonjour. Ça va? Ça va? Là, ça va y avoir une flamme, normalement, la petite voiture risque de disparaître. Ah oui, j'ai oublié, n'oublie pas d'aller t'abonner, de liker, et puis tu nous laisses un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était ouf. Elle a cramé, il n'y a plus rien. Net. Toujours dans la bulle là. Je sais pas, c'était bien. Je pensais qu'elle allait exploser un moment. Je pensais qu'elle allait se mettre sur le toit, moi. Elle a commencé à bouger. Ouais, elle bougeait. J'avais peur. Les morceaux, j'avais pas avancé. Bon, regarde, ça brûle toujours, hein, Pascal. Ouais. Bah, tu sais, à mon avis, je sais pas, ça doit chauffer légèrement. Bah, un petit peu, ouais. Et regardez, une voiture sans permis. Alors, on va essayer de voir ce qui reste. Elle redémarre. Alors, où est le moteur déjà? Il est où le moteur? Putain, il fait chaud, hein? Ah, il fait chaud, là! Il fait chaud, hein? Ouais, dans ça devait être... Pour toi, tu devais avoir un truc de dingue. Tu devais avoir le bruit du fouga. C'est pas mal. Ça m'a rappelé des vieux souvenirs, le petit fouga. C'était incroyable. Tu vois, moi, il y a un truc qui me choque, c'est vraiment tu sens une chaleur de fou. Et les papapas, tu... Dans les poumons, là. Oh là 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 là. C'est une folie, c'est une folie. Oh, mec, la flamme à chaque fois. Non, mais l'effet que ça fait à chaque fois. C'est trop bien. C'est ouf, hein. Il appuie sur le bouton, il y a un nuage, gros. C'est 4 bus. Oh là non, là, c'est super. C'est vraiment un truc de jour. Ouais, 75 litres, 4 minutes, franchement, j'adore. Regarde, le pare-brise. Le pare-brise tout chaud. Putain, le pare-brise tout chaud, regarde. Mais je te jure, il est tout chaud en plus, c'est pas pourquoi, regarde. Et je comprends pas pourquoi il y a un petit bout. Pourquoi il n'y a pas le pare-brise entier? Ah, bah parce que regarde. Bah déjà, pourquoi il n'y a pas la voiture?
terminé, week-end de dingue, toujours plus de voix. Regarde, il y a encore des gens qui marchent, on vient juste de partir à l'instant, il y a quelques minutes, regarde jusqu'où ils se sont garés. Ouais. Un monde de fous. Lulu, il a une chance de dingue d'avoir une communauté pareille, c'est incroyable. Dingo, là, c'est énorme. On s'est régalé, ah ouais. Un show de dingue, des rencontres de ouf. Ouf, de ouf. Bref, vivement, tu sais quoi. L'année prochaine. La foire. 2020. Ouais, voilà, la 3. 2025, je pense. Foire, boiserie. Parce on y sera. On y sera, c'est sûr. On ah ouais, y sera. C'est énorme. Voilà, en attendant, bon. Il nous reste, regarde, 650 km à faire. Arrivée prévue 23h26. Si on s'arrête pas, mais on s'arrête parce que forcément. On a toujours pas mangé. Exactement. Et puis tu dois faire la vidéo. Exactement. Que eux ont déjà vue. Exactement. C'est la fin de la vidéo. Bah, ma foi. Et on a pas mangé aujourd'hui, Amine. Non. On a oublié. Bon, c'est pas grave. On a oublié. Bon, allez. Eh bien, on se bouge. Bon, on y va. On te laisse. Et on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.